Souvent, les parler de rapport avec Haïti, on parle de commerce. Parce que l'important est le plus facile. Et le dédié à ce dernièrement, c'est le même voyage en Haïti, 2,7 millions de dollars jusqu'à 3 millions de dollars américains marchandises chaque jour. Chaque jour, dit économiste, bien chaque jour. 2,7 millions jusqu'à 3 millions de dollars américains marchandises chaque jour, traverser les frontières. Bien sûr. Ça a eu formel. Ça a eu au courant de. Gain au courant de. Mais c'est pas ça seulement rapport à Haïti avec Cédric. Ouais, en 2015, yo t'ai arrivé recenser 56 000 Haïtiens qui élèvent et qui étudient à l'université de l'autre bord. 56 000 là, 44 000 t'es écolier, 12 000 t'es à l'université. Mais ça bagaille ça avait dit. Mais là, 2015, hein. 2015, c'est pas de quoi c'est domaine. Pourquoi gars ici c'est domaine 2015? C'est qu'on a gars ici. Réfléchis qu'on a. Bah, un chiffre, non? Tout chercher, me chercher. Bah, j'ai un chiffre qui est plus récent que ça. On étude. Au mec, te font étude. Et, etc. Tout chercher, me chercher, nous beaucoup de gens. Mais, moi, réfléchis, mais, si 2015, il y avait 56 000 monde qui étaient à la fois élevés, étudiants, ici, à l'autre bord. Je me suppose que 150 000, je veux dire. Parce que dans 5 dernières années, le volume de monde qui a l'autre bord, 2018 à nos jours, c'est pas grave. Parce que vous regardez les chiffres annuels, 2020, 2021, 2019, c'est presque 80 à 100 000 monde par année qui traversent. Qui pas tourné. Et pas faire tourisme, qui pas tourné. Bon, on va dire que y a des déportations. Mais des déportations, on peut retourner encore. Les déportations, pas vraiment dire grand-chose. Mais économiste, on va parler de ça là. Mais qui implique l'action économique? Ça veut dire qu'on s'en sait que le monde qui a payé l'école l'autre bois. Ah, waouh! Qui a payé loyer l'autre bois. Entre 10 et 20 000 pesos pour étudiants. Pas moi. Oh! Donc, qui a payé l'autre bois là? Mais on peut le monde avec l'école là. Il va nécessairement travailler l'autre bois pour payer l'école là. Gagne certes. Mais il y a son monde Haïti qui a voulu l'argent pour lui. Bon monde c'est États-Unis qui a voulu l'argent pour lui. Tout côté. Qui est proche, qui est dégagé pour quoi? Et c'est pour ça que Haïti vient devenu, depuis 2020, troisième pays qui voit plus transfert Saint-Domingue dans le monde. Après États-Unis avec Espagne. Ah bon? Yes. C'est pas l'école seulement, non? C'est pas l'école seulement? Dans l'école là, on y a tout. Trois cas, balle avec des mounes. Clé. Trois cas, haïtiens, ça a fait étude votre bois, yo. Yo a un permis d'étude. C'est sous visa touriste, yo, et puis toi à l'école. Comme l'école là, j'en ai besoin. Ou pas quoi, boule breu. Mais haïtiens, ça a déjà sous frontière, à l'ouvre un petit 4, à peu près 20 dollars américains, chaque mois. Réfléchis encore. Plusieurs, à peu près 100 000 personnes, 50 000 personnes, 70 000 personnes, pas un chiffre exact. Capable de frontière, il y a un petit 4 la vélo américain par mois. Et qui a payé l'école, qui a payé le loyer, qui a payé manger. Donc ce n'est pas comme ça que nous faisons avec eux. Nous portons l'argent dans tout sens. Plus que ça, depuis 10 dernières années, comme d'a dit, 15 dernières années, en pile compagnie Saint-Domingue commence à prendre contrat dans l'État en Haïti pour faire route, pour faire pont, pour faire construction. Pas bien ça longtemps. À partir de Petro-Caribe jusqu'à Jodia, en pile compagnie dominicaine vient prendre contrat en Haïti. Nous allons sous 2 millions, sous 2 milliards de dollars américains Petro-Caribe qui t'a fait infrastructure, moins certain. Gon kala dans ka jeune des compagnies dominicaines. Ah bon? Yes. Il y a fourré quoi, yo? Ici, il y a compagnie dominicaine qui a fait route pour nous. Nous va faire route, non? Entrepreneur dominicain qui a financé candidat qui est dans l'élection en Haïti. Ça a bon 15 années d'années, ça a fait.
Nous avons très bien scandale quand c'était comme Ibai Martelly en 2010, quand c'était comme Madame Maniga en 2010. Il y a encore ce Jovenel. Il a rentré. Encore une fois, le rapport à Haïti avec Saint-Domingue, c'est la commerce seulement. C'est éducation. C'est contrat. C'est élection. Mais aussi, c'est acheter caille. Il y a un article qui sortit en septembre 2023. Qui clairement dit que c'est Haïtien, comme étranger, qui achète plus caille Saint-Domingue devant Américain. Haïtien 1, Américain 2. On regarde quand? Même si on parle espagnol, on va comprendre ça. Haïtien, c'est étranger qui achète plus caille, appartement, j'en voulais là. Mais ça grave là. 95% haïtien, ça t'a payé acheter caille l'autre bois, il va rien papier. Haïtien a un visa, oui. Il va aucune résidence, aucune citoyenneté. Et pas pour ça, je vais mettre l'antique là. C'est-à-dire que, moun sa yo a risque, n'importe qui est arrivé, n'importe qui le, c'est le même qui a changé bala dans mes rêves, vous saisissez kayo. Ouais, vous comprenez? Surtout que, on est haïtien, oui. Et je suppose plus que ça, toujours parce que, valeur moun qui est États-Unis, qui est américain, qui n'est pas passeport américain, mais que c'est haïtien. Mais si Saint-Domingue a acheté ka avec passeport américain, yo, il n'y a pas même moun c'est haïtien, oui. Vous pouvez toujours penser ça, mais légalement, il n'y a pas haïtien. Si vous n'avez pas avec un passeport haïtien. Ça veut dire que quantité rapport que vous développez avec Mounza, et en plus, ça ne va pas aller de main-d'œuvre. Je dis à majorité main-d'œuvre dans la construction, dans l'industrie sucrière, ça haïtien. En 2017, l'État dominicain était estimé que il y avait 88 000 travailleurs dans le secteur construction, ce domaine. 88 000! En 2017, 6 ans après, ça ne peut s'écrire. Chiffre estimé, en 2022, 111 000, pardon, 2023, 111 000, travailleurs qui n'ont construction haïtien. Mais plus que ça, nous avons plusieurs mois là, nous n'avons pas fait match football Haïti. Nous payons 10 000 dollars américains chaque année qui va à Haïti à jouer l'autre bois. Nous avons un stade qui va camper sur un. Hein? Parce que nous avons une sécurité. Gang aussi, nous avons dirigé. Et vol. Pour prendre un avion. Les gens vont au Brésil, côté passé. Moi-même, mal Brésil, déjà, c'est le même passé. L'on va aller dans l'Amérique latine. Mal au Mexique, ça gagne peut-être 2 mois. C'est le même passé. Même le bagarre est allé. Mais on va gagner un vol Mexique à Haïti. On va gagner un vol Colombie à Haïti. On va gagner un vol Espagne à Haïti. Mal Espagne tout l'autre bois. Mais là dans l'autre bois comme ça, nous payons. C'est-à-dire que le pays a fait l'argent sous. Il faut obligé de dormir parce que par rapport au vol là, ça arrive plusieurs fois. De le deuxième vol là, on le fait, on dormit. Nous pas réfléchir tout bagage ça en pile l'argent